Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter l'emplacement du labo de combat de Fortnite saison 1, chapitre 4. Alors il faut savoir que le labo de combat a été supprimé et a été remplacé par autre chose. Donc si vous voulez rejoindre le labo de combat comme un peu à l'ancienne, donc ce sera un peu différent, je vais vous expliquer pourquoi et comment. Mais si vous voulez rejoindre un labo de combat sur Fortnite chapitre 4, ce que vous allez devoir faire c'est d'aller en mode créatif. Donc, vous lancez le mode créatif, voilà comme ceci, et je vais vous expliquer comment faire pour rejoindre le labo de combat de Fortnite chapitre 4. Alors, quand vous êtes dans votre île créatif, donc dans l'île créatif, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller près de votre console, ouais, près de votre console, et appuyer sur carré. Ensuite, vous allez appuyer sur R2 pour créer une nouvelle île. Et là, vous avez l'île de Battle Royale. Donc, pour l'instant, elle est en bêta. Donc, peut-être que prochainement, on pourra faire plus de paramètres parce qu'il y a certains paramètres qui manquent que je trouve. Mais sinon, en globalité, on retrouve un peu tout ce qu'il y avait dans le labo de combat. Donc, ça, c'est assez cool. Donc, vous créez cette map. Donc, vous choisissez l'île de Battle Royale. Donc, moi, je l'ai déjà choisie. Elle est ici. Et ensuite, vous la chargez. Ensuite, quand elle va être chargée, vous allez dans la faille. Donc là, si vous mettez erreur, moi, ils mettent tout le temps une erreur au début. Donc voilà, erreur, échec de matchmaking, je sais pas quoi. Et ben là, vous faites quoi? Vous sautez et vous retournez dans la faille. Donc là, ça va fonctionner. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à mettre en privé. À chaque fois, c'est en matchmaking. Donc, bien entendu, quand je lance le jeu, j'ai personne avec moi. Mais ben voilà, je sais pas pourquoi ils nous permettent pas de le lancer en privé. C'est toujours en matchmaking. Mais bon, c'est pas grave parce que au final, il n'y a personne qui vous rejoint. Ou alors, si on vous rejoint, ben, je pense pas qu'ils vont vous ennuyer sur la map. Au pire des cas, vous relancez une partie jusqu'à temps que vous soyez tout seul. Hein. Donc, voilà, donc là, vous attendez que ça se charge. Ok, donc quand la map est chargée, vous arrivez ici. Vous arrivez sur cette plateforme. Il faut savoir que vous pouvez utiliser votre téléphone. Mais pour l'instant, il ne sert à rien parce qu'on ne peut pas aller sur l'île. On est enfermé dans une box. On ne peut pas sortir de là. Pour l'instant, le téléphone ne sert à rien. J'ai essayé de l'utiliser. J'ai jamais réussi. Il sert vraiment à rien pour l'instant. Donc, peut-être que plus tard, on pourra modifier directement l'île. Mais pour l'instant, on ne peut pas. Alors, vous pouvez aussi aller dans votre inventaire en mode créatif et tout ça, mettre des objets. Je vais essayer de mettre un objet, mais je pense qu'on ne l'aura pas quand je lancerai la partie. Donc là, regardez, j'ai 1500 pièces. On verra bien si je lance la partie, j'aurai mes 1500 pièces, mais je ne pense pas. Donc voilà. Pour l'instant, l'inventaire... Donc l'inventaire, flèche du haut plutôt, l'inventaire de mode créatif ne sert à rien je pense, pour l'instant. Alors première chose, c'est ici le tableau de bord. Donc ici vous avez les coffres, vous allez pouvoir personnaliser les coffres. Donc soit vous choisissez le Battle Royale actuel, soit vous mettez seulement les explosifs, seulement fusil à pompe, sniper, tir unique, atypique, rare, épique, légendaire, etc. Vous pouvez choisir ce que vous obtenez dans vos coffres. Donc moi, je laisse le Battle Royale actuel. Vous pouvez mettre le pourcentage de coffres. Donc si vous voulez que tous les coffres soient disponibles ou que la moitié des coffres, etc. Donc ça en pourcentage, hein, si vous mettez 50%, il y aura que la moitié des coffres qui seront disponibles. Si vous mettez 0, il n'y aura aucun coffre. Donc pourcentage des coffres rares, butin en sol, lama, c'est en pourcentage, hein. Ouais, attention les notés, boîte de munitions, caisse de légumes, autoriser le gain de bois, donc ça veut dire que quand vous allez farmer, vous allez pouvoir obtenir du bois, de la pierre, du métal, et autoriser le gain de l'or. Donc quand vous ouvrirez des coffres, vous pourrez obtenir de l'or. Bien entendu, tout ce qui se passe ici ne compte pas pour le vrai Battle Royale, donc vous ne pouvez pas réaliser vos défis, tout l'or que vous collectez ne sera pas comptabilisé pour le mode Battle Royale. Hein. Sinon, ce serait trop cheaté. Donc ça, c'est pour les paramètres des coffres. Ok. Ensuite, ici, il y a les paramètres de déploiement. Donc moi, j'ai envie que on apparaisse directement dans le bus de combat. Parce que si vous mettez faille, vous allez apparaître un peu n'importe où. Je ne sais pas vraiment d'où on apparaît. Quoique, je pourrais mettre en fait la hauteur. En vrai, je vais mettre faille. Comme ça, je peux choisir vraiment où je me déploie plus facilement. Donc je vais juste mettre la hauteur au maximum. Parce que moi, pour mes vidéos, ça me permet d'aller un peu plus vite pour aller à un endroit bien précis. Donc, je vais mettre 500. On verra bien ce que ça donne. Sinon, vous mettez bus de combat hein, comme vous voulez. Moi, je vais mettre faille. On verra bien d'où ça me fait apparaître. Parce que j'avais testé tout à l'heure et ça m'a fait apparaître quelque part que je voulais pas forcément. Donc, ça m'a un peu ennuyé. Mais sinon, je remettrai le bus de combat. Si vous mettez bus de combat, ben, c'est normal. Hein, vous êtes dans le bus de combat et vous choisissez où vous voulez aller. Alors, groupe des équipes, etc.
hauteur de déploiement forcé du planeur, hauteur de déploiement initial planeur, etc. Enfin, voilà, il y a plein de paramètres que vous allez pouvoir mettre. Donc moi, j'ai modifié l'apparition du bus, la hauteur d'apparition et forcé la chute à l'apparition. Donc, voilà, je vais peut-être mettre non, en fait, tout compte fait, je force pas la chute libre. Ok, donc ça, c'est pour le déploiement. Ensuite, vous avez la zone, la tempête plutôt. Alors la tempête, moi, je vous conseille, il y a plein de paramètres, hein, il y a vraiment plein de paramètres. Vous pouvez personnaliser toutes les phases de tempête jusqu'à 10, il y a 10 phases de tempête. Vous pouvez vraiment toutes les personnaliser à votre choix. Vous pouvez ajouter des canaux. Enfin voilà, enfin, il y a plein de trucs que vous pouvez faire. Je ne vais pas vous expliquer plus en détail. Je vous explique juste ce que moi j'ai mis pour avoir vraiment un labo de combat plus ou moins similaire au chapitre 3. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis nombre de tempêtes, une seule, pas 10. Ensuite, j'ai mis rayon de tempête 4500 pour qu'elle soit super large. Rayon de la phase 1, j'ai mis super large, 2500. Durée d'attente de la phase 1, j'ai mis 3600 secondes. Donc, je sais pas combien ça fait de minutes, mais ça fait beaucoup de minutes avant que la phase arrive. Durée de redimension de la phase, j'ai mis 0. Je ne sais pas trop si ça change quelque chose. Mais voilà. C'est pour ne pas avoir une tempête qui vient me déranger pendant que je fais mes vidéos. Alors ici, personnaliser les paramètres de la carte. Donc là, en fait, c'est pour les bots. Donc soit vous mettez avec ou sans bots. Si vous mettez avec, vous aurez carrément 99 bots. Hein. Donc ça peut être stylé pour certaines vidéos que je vais faire. Moi, ça va être intéressant. Mais je préférais quand même l'ancien principe du labo de combat où je récupérais des grenades bots, ennemis ou alliés. Et que je pouvais me permettre de lancer un bot à l'endroit où je voulais, au moment où je le voulais. Donc là, le problème, c'est que je vais pas pouvoir le choisir. Il va falloir que je mette oui et que j'aurai 99 bots qui vont spawn aléatoirement sur la map. Il faudra que j'aille chercher les bots en question pour vous montrer les défis, etc., etc. Donc, je trouve que c'est un peu contraignant pour ma part, mais bon, on va faire avec. J'espère qu'un jour, ils remettront les grenades de bots parce que je trouvais que c'était fort utile. Donc là, pour l'instant, je mets non parce que quand je fais mes vidéos, j'ai pas toujours besoin qu'il y ait des bots. Donc, je mets non. Alors, les véhicules actifs, oui, je veux que mes véhicules soient disponibles dans la map. Et la faune sauvage, je veux qu'elle soit active. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que dans la fin du chapitre 3, on n'avait plus les véhicules dans le labo de combat. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y avait plus aucun véhicule. C'était vraiment très dérangeant quand je voulais me déplacer quelque part ou quoi. C'était assez dérangeant. Donc bon, après, ils me les ont mis, donc ça va. Donc là, ok. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est un autre paramètre. Quand vous faites flèche du haut, vous allez dans mon île. Ici, vous avez plusieurs paramètres que vous allez pouvoir modifier, donc le nombre de joueurs max, vous pouvez réduire à autant que vous voulez, voilà, le nombre d'équipes, taille d'équipe, indicateur par défaut de classe, voilà, limite d'apparition, moi j'ai mis infini, parce que si vous mettez une, je pense que directement quand vous allez lancer la game, ça va faire top 1, vous allez gagner directement la game, donc mettez bien infini. Victoire de jeu décisif, mettez bien non aussi, sinon quand vous allez lancer la map sans bot, ben ça va mettre fin à la partie. Limite de temps, ben 120, j'ai mis le maximum. Élimination requise pour terminer, non. Fin du dernier survivant, non, oui j'ai mis. Spectateur individuel, entrée de l'île, non, oui, autorisé. Donc voilà les paramètres que j'ai mis, j'ai pas vraiment beaucoup touché à beaucoup de choses, j'ai juste changé quelques petits paramètres je crois. Alors ensuite, ici, il y a les paramètres différents. Donc, à chaque fois que je les modifie, ils se remettent automatiquement par défaut. Donc, ça sert à rien d'y toucher. À chaque fois, je mettais genre plafond de ressources, je le mettais à 99 000. Mais à chaque fois, il se remet par défaut. À chaque fois que je relance la partie, il se remet à 500. Enfin, que je relance l'île créatif. Donc, je trouve que ça sert pas à grand chose de l'utiliser. Sauf si vous avez quelque chose de spécial à faire, ben, vous avez ces paramètres-là que vous allez pouvoir paramétrer tout simplement. Donc voilà, ensuite il y a l'interface, pareil il se remet à 0 à chaque fois, je sais pas pourquoi, donc ça c'est un peu chiant aussi, mais voilà d'autres paramètres que vous allez pouvoir paramétrer. Outils, donc sauvegarder, j'ai essayé de sauvegarder l'île, ça a pas marché, ça m'a mis échec, la description, la permission, etc. Alors il y a un autre problème aussi que je trouve, c'est que je ne peux pas choisir le temps. Donc quand je faisais en labo de combat mes vidéos, je mettais toujours le temps à midi pour que la map soit claire, que vous ne soyez pas perdu. Quand je fais mes vidéos, s'il fait une nuit, ben, il fait un peu trop sombre. Donc moi je mettais toujours le jour, mais là apparemment on ne peut pas choisir. Donc une fois je suis arrivé, c'était en pleine nuit, donc c'est un peu dommage.
Mais tant pis, hein, parfois il y aura des vidéos que je ferai en pleine nuit parce que ben, je ne peux pas contrôler la météo. Donc voilà. Alors quand vous avez terminé vos paramètres et tout ça, vous appuyez sur Option et là vous allez lancer le jeu. Tout simplement. Vous attendez que ça se lance. Là on va voir où j'apparais. Ok, donc là, j'apparais ici. Je pense que vous apparaissez aléatoirement hein, si vous choisissez l'apparition faille. Mais ce qui est bien, c'est que je suis assez haut, donc je peux me diriger un peu partout. Donc c'est quand même un peu plus lent. Par exemple, si je veux aller ici, avant, bah, je mettais apparition sud et j'apparaissais ici, donc j'avais plus qu'à aller là-bas. Donc là, maintenant, je ne peux pas choisir si j'apparais au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Donc c'est un peu dommage. Donc je vais un peu perdre de temps à me déplacer sur la map. Mais bon, ça c'est voilà, c'est des problèmes de youtubeurs, ça on va dire. Mais je pense que vous ne serez pas trop impacté, enfin je sais pas trop. Donc voilà. Là, quand vous allez aller dans la map, vous pouvez bien sûr faire tout ce que vous voulez. Hein. C'est comme si vous étiez en mode Battle Royale, sauf que vous êtes sur une map en solo. Là, vous pouvez voir que j'ai 60 minutes avant que la tempête elle arrive, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, j'ai 60 minutes avant que la tempête arrive. Et là, la partie dure 120 minutes. Donc franchement, j'ai une heure pour faire ce que j'ai à faire. Donc ça, c'est cool. Vous pouvez ouvrir les coffres. Voilà, détruire les murs. Vous pouvez construire. Voilà. Vous avez des coffres légendaires, des coffres rares. Vous avez tous les coffres que vous voulez. Tous les animaux, les objets, les véhicules. Enfin, vous avez tout, quoi, en fait. Hein. Tout ce que vous avez sur la mode Battle Royale actuelle sera bien sûr mis à jour. À chaque fois, s'il y a une mise à jour dans le mode Battle Royale actuel, genre il y a une arme qui disparaît ou une nouvelle arme qui apparaît, logiquement tout sera synchronisé directement avec votre île en mode créatif. Donc vous aurez exactement tout ce qui se passe en mode Battle Royale au jour le jour, bah, vous l'aurez dans votre map créatif aussi. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà comment vous allez pouvoir rejoindre le labo de combat sur Fortnite chapitre 4 saison 1. J'espère que cette vidéo ben, vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.